Mais avant, cette histoire qui fait réagir la France entière. Plusieurs boulangeries du Puy-de-Dôme rappelées à l'ordre par la CGT pour avoir trop travaillé. Les établissements sont ouverts 7 jours sur 7, alors qu'un arrêté stipule qu'ils doivent respecter un jour de fermeture hebdomadaire. Du côté des boulangeries concernées, c'est l'incompréhension. Mario Bazac, Bruno Livertout. Benoît est propriétaire de cette boulangerie depuis 6 ans. Il ouvre 7 jours sur 7. Ces 19 salariés ont bien 2 jours de repos hebdomadaire, mais sous forme de roulement. Un arrêté préfectoral impose pourtant aux boulangers une journée de fermeture fixe par semaine. Mais pour Benoît, cet arrêté est illogique. Cet arrêté préfectoral, au moment où il a été mis en place, les boulangers artisans étaient beaucoup plus nombreux que l'ensemble des magasins qui ouvraient 7 jours sur 7. Aujourd'hui, la tendance est complètement inversée, donc c'est un arrêté qui n'a pas lieu d'être. Cet arrêté prend sa source dans un accord signé en 1996 par les organisations syndicales et patronales des commerces de pain. Pour la CGT, il doit donc être respecté. Elle a rappelé à l'ordre 20 boulangeries du Puy-de-Dôme et n'hésitera pas à entamer une action en justice. Cet accord a été pris pour pallier à l'absence pour les salariés de repos le dimanche. Et donc, cet accord prévoit un jour fixe de repos pour tous les salariés dans ce secteur d'activité. Et donc, nous, on ne demande que le respect de cet accord. Les boulangeries artisanales respectent l'arrêté en général. C'est vraiment les enseignes un peu plus grosses, quoi. Donc, effectivement, nous irons au tribunal. Le but de la CGT est aussi de protéger certains artisans qui n'ont pas les moyens d'employer suffisamment de salariés pour ouvrir tous les jours de la semaine. C'est le cas de cette boulangère qui soutient l'action du syndicat. Il faut lutter malgré tout. On dit oui, la boulangerie ça gagne, ça gagne. Oui, ça gagne. Mais il faut faire des heures, il faut bosser, il faut être là. Et donc quand on a des concurrents de grande envergure qui viennent... Voilà, tout le monde a le droit de travailler, mais effectivement, il y a des choses à ne pas faire. Au mois de juin, une enseigne clermontoise a été condamnée à 5000 euros d'amende pour non-respect de l'arrêté préfectoral. Les boulangers qui ouvrent 7 jours sur 7 ont décidé de créer un collectif pour demander au préfet de revoir cet arrêté.